20-20, Cyril Lastéry, c'est ça? 20-20. Ok. Tu es une des personnalités du web. Carrément. Mais t'as pas fait que ça, j'ai appris que t'as travaillé chez Publicis au départ. Oui, c'est vrai, comment sais-tu ça? Écoute, j'ai croisé ta biographie sur le site du Grand Web Z. D'accord, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faisait? T'étais CR? J'étais concepteur-rédacteur junior au départ. D'accord. Et puis plus senior ensuite, dans la branche marketing opérationnel de Publicis qui s'appelait Publicis Direct, puis Directis ou l'inverse. Je ne me souviens jamais de l'ordre dans lequel on a changé de nom. D'accord. Et depuis, tu t'es largement converti au web? Oui, carrément, ouais. Bah, d'abord, j'ai quitté Publicis en 2000 et j'ai créé une agence de com. Et j'ai découvert le web dans mon agence de com qui s'appelle Cidiez et qui existe toujours. Ok. Et maintenant, une de tes grosses actus du moment, c'est évidemment le Grand Web Z avec François Rollin. La méga actu, tu veux dire? C'est le Grand Web Z avec François Rollin sur France 5, une fois par mois à 23h40, heure un petit peu tardive, mais du coup, on peut dire ce qu'on veut. D'accord. C'est une grande première. Tu peux nous expliquer pourquoi? C'est une grande première à titre personnel parce que j'avais jamais fait de télé. Pour ce qui est de la télévision, parce qu'on parle du web, de la culture web avec des gens qui connaissent un peu. Et puis on essaye d'innover à chaque émission, on change tout, y compris le décor. Voilà, ça c'est des grandes premières déjà. Qu'il y a un living journalistique pendant l'émission, ça c'est aussi une grande première. C'est-à-dire que sur le web, les gens peuvent avoir des compléments de contenu en direct sur internet pendant qu'on parle. Des liens, des textes, des photos, des vidéos prises dans l'émission, des backstage en direct avec 5 journalistes derrière nous. Et voilà, l'innovation c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut, on a carte blanche. Voilà, c'est du direct, ce qui n'est pas courant à la télévision. Donc aujourd'hui c'est vraiment un ovni télévisuel par rapport à tout ce qui existe quoi. C'est carrément un méga ovni télévisuel par rapport à tout ce qui existe. D'accord. Et ta présence sur le web, qu'est-ce que tu viens faire en fait? Je viens voir les copains parce que c'est de là que je viens et c'est là où je me sens très très bien. Et puis parce que je connais bien Loïc quand même, puisqu'on a été associé dans Sismic à une époque à San Francisco. Ouais. Et puis parce qu'il y a tout le monde, et puis voilà, c'est The Place to Be en Europe, de nos jours. Et tu avais évidemment envie de passer sur le blog Z Factory et sur le Tumblr de France TV pour le web. Hein. Mais c'était non seulement si je savais que si je venais pas faire ça, j'aurais mon herpès vaginal qui me reprendrait. Donc c'était pas possible, c'était médical. Bon bah c'est cool, donc du coup il reste plus qu'à donner rendez-vous à nos télénautes sur le site du grandwebz.com et 2020.net, c'est ça? Je sais pas quand on va diffuser cette petite vidéo, mais sinon c'est vendredi 16 décembre à 23h40 et sinon celle d'après, je sais pas encore. Bon bah tout ça à vos agendas et puis je te remercie beaucoup pour cette interview. Bah, de rien, à très bientôt. Plaisir.